Sly, cet endroit est encore mieux gardé que le... eh bien, que je ne sais pas quoi. Ta base de données, le frigo de Murray. Peu importe, Sly, ce n'est pas le moment de plaisanter. J'ai vérifié, il n'y a qu'un moyen d'entrer, et c'est en passant par la porte principale. Je ne vois qu'une seule solution. La sonnette? Très drôle. Non, il va te falloir un déguisement. Récupère donc une armure sur ses gardes. C'est notre seule chance. Ça marche. Appelle-moi Sly le Samouraï. Huh?
Sly, tu dois utiliser l'armure de samouraï pour te mêler aux gardes. Tant que tu la porteras, ils penseront que tu es l'un des leurs. Appuie sur la touche L2 pour enfiler l'armure. Appuie à nouveau sur la touche L2 pour l'enlever. Et n'oublie pas que tu ne pourras pas utiliser tes mouvements classiques avec ce dégussement. Merci, Bentley. Voyons voir si le garde de l'entrée tombe dans le panneau. Ouvre la porte. Vous me paraissez un peu petit pour être commandant. Pas vrai? Alors qui êtes-vous? Eh bien, je suis le major Muckshot. Muckshot? J'ai jamais entendu parler de vous. Quoi? Tu oses mettre ma parole en doute? Petit, j'étais déjà garde quand tu n'étais encore qu'un vulgaire cochon de lait. Attends un peu que je parle de ça au général. Il paraît qu'il raffole des côtes de porc. Attendez, je suis désolé, monsieur. Je vous avais pas reconnu. Allez-y, je vous en prie. Sly, tu devrais enfiler l'armure avant que les gardes te repèrent. L'armure de samouraï devrait être claire ici. Tu es à moi. Sly, tu devrais enfiler l'armure avant que les gardes te repèrent. L'armure de samouraï devrait faire affaire ici. Ryoichi Cooper. Incroyable! Je dois être son plus grand fan. Ryoichi Cooper, ça va aller? Décidément, vous avez un piètre humour, vous, les gardes. Mais non! Je suis pas un de ces clowns! Je viens te libérer! Je m'appelle Sly. Ah, je vois. Tu es un ninja. Parfait. Tu vas devoir emprunter le pont du dragon pour accéder à ma cage. Vite! Ok, j'arrive. Alors, ne bouge pas. Très drôle. Sly, tu devrais enfiler l'armure avant que les gardes te repèrent.
plein de choses sur lui dans le Volus Ratenus. J'en reviens pas. C'est une légende.
Merci, Bentley. T'as pas une meilleure nouvelle ? Regarde autour de toi ! L'un de ces gardes doit sûrement avoir la clé ! Merci. Ça, c'est ce que je voulais entendre. Attention au dragon. Excellent. Ta technique est impressionnante. Courage, Ryuichi. Tu seras bientôt libre comme l'air. Je ne te connais pas, mais seul un vrai Cooper aurait pu atteindre cette cage. Oui. Je ne voudrais pas te troubler, mais mon nom est Sly Cooper. Je suis ton parent. Du futur. Ne t'inquiète pas, rien ne peut troubler un ninja. Vu ce qui s'est passé ici dernièrement, je te crois. Maintenant, aurais-tu l'obligeance d'ouvrir cette cage afin que nous échappions à une mort certaine ? Oui, bien sûr. Après avoir libéré Ryoichi, nous retournâmes au refuge. Malheureusement, nous dûmes écourter les retrouvailles. Nous devions découvrir ce qui se passait, et vite. Ryoichi nous confirma que la source du problème était un individu se faisant appeler El Jefe.
En fouillant la base de données, Bentley trouva son dossier Interpol. Le casier d'El Jefe était impressionnant. Au fil des années, il avait renversé les gouvernements de dizaines de petits pays à travers le monde, généralement pour le plus offrant. C'était un redoutable mercenaire et un stratège hors pair. Apparemment, il s'était un jour vanté de pouvoir renverser un pays en ne dirigeant que 3 souris aveugles armées de cuillères en plastique. D'après son dossier, il avait mystérieusement disparu alors que les autorités allaient l'interpeller. Mais nous l'avions trouvé et nous devions le mettre hors d'état de nuire. Le combat s'annonçait difficile. Nous décidâmes donc de commencer par le restaurant de sushi de Ryoichi.